Sommergiorno, un solo di dell'attualità esegue di abbrua d'assassinio contro Ivan Colonna, in cui non tauderano una situazione più tesa. O STC si è mosso stamattina nel porto d'Ajaccio per bloccare un battello di Corsica Ferries e impedisce i gendarmi venuti di due continenti di sbarcare, ciò che ha fatto nascere un rimorso in cui gli altri passeggeri faremo un punto preciso non all'inchiesta e non al percorso dell'aggressore presunto condannato per radicalismo islamismo. Anderemo di noi in Marseille per più notizie di Ivan Colonna in cui Marc-Antoine Renucci in diretta. Saluto a tutti, benvenuti in questo Corsica Prima. Cominciamo dunque in questa mossa di USTC che ha deciso stamattina di bloccare il battello di Corsica Ferries in Ajaccio a bordo gendarmi venuti dal continente. Jean-Philippe Mattei, saluto a voi, siete in diretta dal porto d'Ajaccio. Di più un'azione simbolica e gerarchia, i gendarmi sono pochi a bordo, sei non più di 250 passeggeri. Saluto Federica. Allora, è un'azione simbolica, ma un messaggio di USTC a principio stamattina era mica forse dell'ordine in più in isola. Dopo i 6 mesi personali di USTC, di Corsica Linea e di Meridionale hanno deciso di bloccare lo sbarcamento di forze dell'ordine 9 venuti da Omega Express e di Corsica Ferries, azione accompagnata da qualche militante di Corre in fronte. Un'azione che si vuole pacifica in sostegno a Ivan Colonna. In più dei 6 gendarmi presenti, sono presenti 250 passeggeri che possono sbarcare. Una situazione inaccettabile per l'uno d'Edi perché è un lavoro, un'impresa di meccanica impropria. Ascoltatelo. On est bloqué parce qu'apparemment, selon ces chiffres, il y aurait une centaine d'hommes du Raid dans le bateau auquel nous sommes. Je demande totalement cette information. Il y a 6 gendarmes mobiles qui doivent être sur une mission qui ne me regardent pas. Mais il n'y a pas d'hommes du raid ni d'escadron de gendarmerie comme il est décrit un camion rempli de gendarmes. Alors dans le parking, il y a des véhicules qui sont destinés pour la location des véhicules touristiques cet été, des Citroën neuves, du même coloris, de Volkswagen. Il y a 2 véhicules gendarmerie qui leur appartiennent, mais il n'y a aucunement des hommes du raid qui peut filmer autour, filmer aux gens, montrer aux gens qu'il n'y a rien. Les seuls gendarmes sont là à côté de moi. Perché da Sivacci i bloccatori l'hanno capito l'imbarcazione di soccorso di Ubattedu Piana, di Meridionale, su Battigiuccio si è posizionato in da Corse di Omega Express e a Corsica Ferries che tanto ha lampato l'ancora in Uborto. Dopo lo sbarcamento di SRS a Rimane, parliamo con il delegato STC di Corsica Linea, stazione è più che necessaria. Baby, qui uno stuva di lui lotta, Ivan, a sapere. È stato più che malminato, di traviata a morta. E la prima affare a fare è stato invece di cercare l'appaggiamento, invece che i corsielli fermano degni, lo Stato ci manda più di 150 o 100 CRS. Chi parla di? Chi vuole dire questa commedia? Il presidente di Corsica Ferries, un amico a Ulsutu, fa commenti. L'USTC ha proposto alla prefettura di lasciare sbarcare solo i passeggeri prima, ma mica i gendarmi, e far riparto battedo in primaticcio. Questa proposta è stata ricusata, secondo Anna Mosconi, ma la prefettura è rivenuta a Nantes all'opposizione e ha citato che i passeggeri sbarchessero sempre senza le forze dell'ordine, da sapere che secondo la prefettura se forze dell'ordine e se camion giunti sono giusti trasporti e logistiche regolari. Abilite d'arretame un cepionimo perché comincia a piovere e battedo ad aiungere in un porto da qui a poco, un blocchimo simbolico si potrà compiere dunque da qui a poco. Ringraziamo Jean-Philippe per il punto in diretta in cui Morgan Pluchard da Raid a Camera. Daia, ciao, andiamo in Marseille per il droit in diretta in a Marc-Antoine Renucci. Saluto a voi Marc-Antoine. Ci tenete informato dello stato di salute di Ivan Colonna e ci hai detto che c'erano piccoli segni di speranza. A che ne siamo stamattina? Io, Federico, allora stamattina è certi parenti, certi amici di Ivan Colonna ci hanno detto all'Istra che lo Stato è oramai ben stabilizzato. Hanno mandato una visita a Ivan Colonna in principio dopo mezzogiorno qui all'ospedale nord di Marseille. A un livello medicale, l'OGT di Raid ha degustato come Ivan Colonna reagisce a diminuzioni di dosi di sedativi, ma di non sapere se il suo cervello è stato colpito da lesioni o mica. Ci l'ha aspettato torna poco presso 24 ore per sapere veramente di più. Rammentiamo che sono 48 ore e che Ivan Colonna è in un coma dito post-anoxico. Per ora i dottori e gli stessi sono stunati da buona reazione, da buona costituzione di Ivan Colonna, ma non sanno mica se la basterà per salvarlo. Marc-Antoine Renucci con Jennifer Capaille in Marseille. L'inchiesta continua a Diazabed e a Maestrada da Bregura contro i terroristi aveva di Ivan Colonna. Le risposte diare in causa di Stato, l'inchiesta ora per un audio si fra l'altro di una videosorveglianza. E poi stamane Gilles Simeoni domanda messi in opera di un'inchiesta parlamentare. C'è troppo a fare con Banomica, non abbiamo nessuna confianza nell'inchiesta amministrativa che deve essere messa in ballo, nessuna confianza. Sappiamo che i giudici antiterroristi sono parecchi anni e ancora questi non possono mica essere sicuri della sua indipendenza. Dunque ciò che domando oggi è di mettere in piazza subito una commissione d'inchiesta composta a tempo di parlamentari, deputati, senatori ed eletti della collettività di Corsica, una commissione d'inchiesta indipendente che deve avere risposte alle questioni che tutti i corsi e tutti i democrati si pongono oggi. Piantiamo già a Nantes, personalità e Uber Corso di l'agressore presunto. Depuis 2012, Franck Elong Abé a accumulé un lourd parcours pénal et des problèmes pénitentiaires dans les 4 établissements qu'il a fréquentés avant d'arriver donc à Arles où il a été condamné pour fait de radicalisme islamiste. Florence Antomarque. Quand il arrive à la centrale d'Arles le 17 octobre 2019, Franck Elong Abé a 33 ans et déjà un lourd parcours pénal et une vie pénitentiaire tumultueuse. Ce Français d'origine camerounaise a rejoint le djihad d'Afghanistan quand en 2012, il est arrêté par les Américains parmi un groupe de combattants talibans. Il passe 2 ans dans la prison de la base américaine de Bagram, pas loin de Kaboul, suspecté d'avoir participé à des attaques de convois militaires. Pendant cette période, révèle Mediapart, la DGSE le traque pour récupérer des preuves matérielles de sa participation à des actes de barbarie comme des étranglements, en vain. En 2014, les autorités françaises le récupèrent, il est à Rouen en détention provisoire. Et c'est la presse quotidienne régionale qui trace son parcours. Il fait une tentative de suicide, puis placé à l'hôpital prison de Séclin, il agresse une infirmière pour une tentative d'évasion. Il est alors condamné à 4 ans de détention. 2016, c'est l'année de son procès à Paris devant la justice antiterroriste. Il ne prend pas d'avocat, mais 9 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Eu égard à son engagement auprès des talibans en Afghanistan, il n'est jamais passé par les quartiers d'évaluation de la radicalisation. En février 2019, il purge sa peine, cette fois à la centrale d'Alençon, à Condé-sur-Sarthe, et refait la une locale de Ouest-France. Il dénonçait ses conditions de détention en une multitude, 14 précisément, de dégradations matérielles, dont des départs de feu dans sa cellule. Le 10 octobre 2019, il est de nouveau condamné à 9 mois de prison supplémentaire. Après un passage par la prison de Nantes, il rejoindra la même centrale qu'Ivan Colonna. Ecco ciò che noi abbiamo visto non è stugarturare. Del resto, dell'attualità, Emmanuel Macron, ufficialmente candidato a un secondo mandato, l'ha fatto in cui una lettera pubblicata da stampa, una candidatura che n'a pas manqué de faire réagir notamment une partie de la classe politique insulaire. Tout n'a pas été parfait pendant la mandature précédente. Il faut avouer que les événements n'ont plus favorisé l'action du président de la République. En tout cas, moi, je considère que c'est le candidat peut-être le plus progressiste de ceux qui ont une chance d'être élus. C'est la raison pour laquelle j'ai continué, comme je l'ai fait en 2017, à apporter mon soutien avec des frustrations pendant la mandature passée, mais des espoirs pour la mandature à venir. Il faut avancer, que la Corse a besoin de régler des problèmes très profonds sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, qu'il ne s'agit pas de faire de la revendication par plaisir, mais parce qu'il faut répondre à de réels problèmes. Et ça, Macron devra impérativement le comprendre ce qu'il n'a pas fait au cours de son premier mandat. Que va-t-il faire sur le pouvoir d'achat ? Que fera-t-il pour augmenter les salaires ? Que fera-t-il pour les retraités ? Sera-t-il d'accord pour mettre en place un revenu jeune s'il est réélu ? Que fera-t-il pour nous aider avec le scandale, on l'a vu, des EHPAD, la santé, l'hôpital, les services publics ? Donc c'est toutes ces questions dont on doit pouvoir débattre. No capitolo sanitario basso vaccinale sospeso a parte del 14 di marzo, il primo ministro Jean Castex l'ha detta ieri, la situazione sanitaria si migliorerebbe in cui un accesso più libero nei commerci. Alors, comment sont perçues ces mesures par la population, exemple ce matin à Bastia? Alors, on devrait arriver, je pense, à voir le bout du tunnel et ouais, reprendre peut-être une vie normale, ouais, retrouver une vie sociale et un peu plus de liberté, j'espère. Je pense que pour tous les restaurateurs et pour tous les gens du métier, c'est mieux. Parce que ça devenait compliqué de contrôler tout le monde. C'était des restrictions très strictes. Ça nous a fait perdre pas mal de clients. Les gens, ils sortaient plus forcément. Il y avait quand même une peur qui régnait. On va se faire contrôler. Si le restaurateur est contrôlé pas, mais est-ce qu'il y aura un contrôle des forces de l'ordre? Donc il y avait quand même un climat un peu spécial qui régnait. Settore Corsica in cui Delfine Leoni ci troviamo autore per uno di Ziale. Buon appetito e a stasera.